Salut jeune pousse, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour semer, planter des plantes qu'on pourrait trouver dans le commerce avec des noyaux, avec des... Par exemple l'ananas, on va juste utiliser ces déchets pour avoir de nouvelles plantes d'intérieur chez toi qui seront, elles, un petit peu exotiques, qui vont donner une touche d'ailleurs chez toi. La première plante dont je voulais te parler, c'est l'ananas. Quand tu achètes un ananas entier, comme celui-ci, eh ben, tu peux récupérer son sommet pour en faire une nouvelle plante. Dans le commerce, choisis-le plutôt en cagette, mais pas forcément des ananas que tu pourrais trouver des fois dans les frigos. Ils ont peu de chances de repartir et on aura vraiment un ananas vraiment sympa. Ce que je fais moi, c'est que je vais y couper la tête. Voilà. Et après, je vais juste enlever les premiers centimètres que j'ai ici. Ça se défait généralement pratiquement tout seul. Voilà, là, j'ai déjà presque une plante d'intérieur pour chez moi. Je vais tout de même y piquer, juste ici, 4 petits cure-dents, ou 3, allez, en forme de triangle, que je vais mettre dans un verre d'eau, juste posé comme ça. Et je vais faire que l'eau de mon verre va remonter jusqu'au socle. Ainsi, j'aurai une petite broméliacée, une plante assez particulière. Mets-le à l'intérieur de chez toi dans une ambiance assez humide, aux alentours de 20 degrés. Tu auras ainsi une jolie plante d'intérieur qui va faire ses racines. Une fois qu'elle aura fait des racines, tu peux la planter dans un pot avec de la terre bien drainée. Deuxième fruit exotique que j'aimerais te présenter, c'est la mangue. Après l'avoir mangé, si tu l'ouvres délicatement sans abîmer le noyau, tu as une espèce de gros noyau, de gros pépin comme ça, qui constitue ta mangue. Moi, je vais l'ouvrir délicatement en essayant de ne pas abîmer l'amande qui est à l'intérieur. En fait, c'est la vraie graine. Donc là, je m'aide d'un couteau et puis délicatement, c'est quand même un peu solide, hein. Je vais ouvrir. Je vais l'ouvrir délicatement, voilà. Et on peut le voir, il y a la graine. Voilà, ça c'est la graine. Je vais la mettre dans un bocal avec une lingette humide au fond. Ça peut être une serviette, ça peut être un petit bout de tissu. Et je vais la mettre dedans, dessus, comme ça, tout simplement, à une température d'environ 20 degrés. Je vais laisser ça dans mon intérieur et je vais fermer le bocal pour que l'humidité ne s'échappe pas et qu'elle ait un endroit très humide pour pouvoir germer. Et voilà, au bout de quelques temps, il va germer et lui aussi pourra être planté. Quand tu vois apparaître la première racine dans un pot en terre cuite pour ton intérieur. Utilise là aussi un terreau très drainant avec beaucoup de sable. Évite aussi les gros morceaux qui risqueraient d'abîmer cette toute jeune pousse en train d'arriver. Tu peux faire cette même technique, par exemple, si tu as des litchis. Fais gaffe parce qu'il y a quand même des fois des noyaux qui sont ratatinés. Ceux-là, ils ne sont pas prêts de germer. Mais ceux qui sont bien gros, bien lisses, eux, tu peux les mettre dans un bocal. Une vingtaine de jours, ils vont commencer à germer à une température aussi assez élevée, entre 20 et 22 degrés. Et là, ils vont germer. Tu risques pas forcément d'avoir des récoltes de litchis chez toi, mais ça fait des chouettes arbustes d'intérieur. N'hésite pas à faire une petite forêt de plantes d'intérieur assez exotiques. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao jeune pousse.